Salut tout le monde. Alors, il est le 7 décembre, donc je n'ai pas vlogué le lundi. Bah, comme je vous avais dit, j'étais en cours et en stage et clairement, je n'avais rien à vous montrer. Si je pouvais filmer le cours de marketing, je le ferais parce que c'est vraiment un cours sympathique et la prof est vraiment assez exceptionnelle, mais bon, c'est pas le cas, donc voilà. Et puis hier, j'ai travaillé toute la journée sur un final project que j'avais pour hier soir, parce que je l'ai commencé le matin même en fait. Donc voilà. En fait, j'aurais bien aimé vous montrer le World Trade Center et tout ça, mais quand je suis sortie du métro pour aller en cours, il pleuvait à verse et ça a continué après le cours. Donc voilà, j'essaierai d'y retourner, comme je vous ai dit. Comme ça en balade, mais là c'était plutôt genre vite vite allons au métro vite vite et voilà et je suis fatiguée, je sais pas pourquoi je suis aussi fatiguée ces derniers jours. Hier soir j'ai passé ma soirée à pleurer, je sais même pas pourquoi, enfin voilà, je me suis dit que ça servait à rien que je vlogue hier parce que voilà, j'étais hyper stressée toute la journée de finir ce projet final. Et le soir en rentrant, j'étais émotionnellement épuisée, on va dire. Mais aujourd'hui, j'ai des choses à vous montrer, donc je le mettrai dans un vlog différent. Ça, ce sera le vlog pour le day 5 et day 5 et day 6. Voilà, je suis vraiment désolée que ce soit comme ça, mais je vous avais prévenu un petit peu avant que les jours où j'ai stage et tout ça, c'est un peu compliqué, puis en période de finals aussi. Mais voilà, aujourd'hui, je vais essayer de me motiver. Avec Jeanne, on va manger une pizza ce midi et des pâtes. Puis après, on va essayer de faire des petits cadeaux de Noël. Jeanne veut retourner chercher des puzzles, donc voilà, il faut absolument que je craque pas, parce que là, vraiment, je n'ai plus de place. Mais après, voilà, normalement, on devrait aller faire quelques petites courses parce qu'on n'a pas du tout fini nos cadeaux de Noël, elle et moi. Sinon, hier, je regardais le vlog de Zoé pour Vlogmas. Et en fait, de l'avoir avec tant de calendriers de l'avant, ça m'a vraiment fait réaliser que plus tard, je voudrais instaurer des traditions que j'ai pas forcément eues quand j'étais petite, parce que les calendriers de l'avant, on n'a vraiment pas eu. Je suis pas une grande fan de chocolat, donc j'essaie de m'y mettre un petit peu là parce que. C'est beaucoup plus comment dire, en tant que petite gourmandise à la fin d'un repas ou l'après-midi, c'est quand même vachement mieux que n'importe quel produit chimique dégueulasse qu'on peut trouver, enfin que je mange avec sans modération d'ailleurs. Mais vu que je veux également changer mon régime alimentaire et que la transition se fait petit à petit, là, il y a plein de bonbons que de toute façon je pourrais plus manger, donc oh well. Mais bref, le chocolat du coup, ça a jamais été trop mon truc, et du coup, bah, c'est vrai que je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai jamais eu de calendrier de l'Avent comme ça, mais c'est vrai que c'est un truc que je trouve que ça me manque quand même d'ouvrir un truc tous les matins jusqu'à Noël. L'année dernière, ma mère m'avait offert le Playmobil et c'était vachement cool, et du coup, ouais, j'aurais bien aimé en avoir d'autres. Enfin, on peut maintenant trouver un peu de tout, j'ai l'impression. Donc, à partir de l'année prochaine, je me prends des calendriers de l'Avent. Et voilà, c'est tout. Je suis fatiguée, là. Oh, je suis désolée. Oh, désolée. Il est 9h53, je me suis levée il y a 20 minutes. Mais alors, complètement à la ramasse. Et ouais, j'ai pas mal d'autres taf à faire, puisque d'autres finances, mais là, j'ai trop la flemme. Tellement la flemme. J'en suis venue à un point où là, c'est la fin. Et clairement, j'ai plus de motivation, j'ai plus d'énergie pour ça, quoi. Enfin, et puis, je vous avoue que Noyou, enfin. Voilà, en tout cas, le programme que je fais est vraiment pas si. En tout cas, les cours que j'ai eus, enfin les cours dans lesquels on nous a mis, sont vraiment pas exceptionnels, à part le cours de marketing, parce que la prof est passionnante, passionnée, et qu'elle a vraiment quelque chose à dire, et que voilà, elle fait vraiment participer les gens. Mais alors les autres cours, c'est un petit peu la cata. Alors du coup, là, j'en ai terminé deux sur les quatre que j'avais, en plus le stage. Du coup, il m'en reste deux et le stage. Et voilà, ça aussi, c'était pas génial, génial. Je dois dire que j'ai plutôt hâte d'avoir terminé ça. Et puis aussi, c'est bizarre parce que j'avais
pas envie de rentrer, j'étais vraiment pas du tout en mode oh là là, je vais rentrer à Paris, c'est horrible, New York, ça va trop me manquer et tout. Mais en fait, maintenant que j'ai réalisé vraiment que je rentrais et que je sais tout ce que j'ai à faire, en fait, maintenant j'ai envie d'être là-bas parce que au moins ce sera. Tout sera passé en fait. Et j'aime pas ce stress que j'ai là en ce moment de tout ce qu'il y a à terminer, les valises, etc. Voilà, je me dis au moins. Parce que je sais que dans 10 jours. Attends, on est combien là? On est dans. Dans 11 jours, je pars, dans 12 jours, j'arrive quoi. Et voilà, je me dis juste. J'ai juste envie d'être chez moi maintenant parce que du coup là je suis un peu dans cette période où bah j'ai tellement de choses à terminer que je préférais que ce soit passé quoi. Et puis aussi j'ai tellement envie de voir mon chien. Oh, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. C'est en fait New York, c'est une ville à chiens et c'est horrible parce que t'en vois à tous les coins de rue et toi t'es là. Il me manque. Mais voilà, et puis ça va être cool de voir ma petite mamounette et puis voilà, je suis finalement, enfin, je suis contente d'avoir un break et de finir les cours et tout ça, mais c'est vrai que New York, ça va être dur de le quitter, enfin, de quitter la ville parce que j'adore. Mais bon. Et donc du coup, bah voilà, c'était un petit peu mes réflexions du matin. j'ai envie de commencer un livre aussi. Alors attendez, parce que du coup, en fait, je sais pas si vous le savez, mais j'ai acquis. Près de 50 livres en fait pendant mon temps ici parce que du coup j'en ai acheté peut-être quoi 16 un truc comme ça mais comme je suis en stage dans une maison d'édition en fait parfois il y a des livres dont les éditeurs se séparent parce qu'il faut qu'ils fassent de la place dans leur bureau et donc du coup bah, pour pas que ça parte à la poubelle ou des trucs comme ça bah, en fait ils invitent les gens dans la boîte à en prendre et donc du coup ben c'est une très mauvaise chose à dire à quelqu'un qui a envie de des livres parce que du coup, regardez la catastrophe. Voilà. D'ailleurs, je vous ai pas montré les autres petits Harry Potter. Alors du coup, je vous avais dit qu'il y en a pour des cadeaux, mais je suis presque sûre que les gens à qui je pourrais potentiellement les offrir regardent pas les vidéos. Du coup, celui-là, je pense que ce sera pour moi. Oui, parce que j'ai envie d'en garder un pour moi, j'avoue. Donc c'est Pixie Mayhem, donc ça vient du deuxième. Attendez, Gilderoy Lockhart, oui, c'est dans le deuxième. Regardez-moi comme il est beau. Voilà, il y a ça. Let me show you. There's this one that I love too, mais je peux pas en garder deux, donc parce que j'en ai déjà un autre. Mais celui-là, je l'adore, Flying Car. Et le dernier. C'est Three Broomsticks, which is pretty cool as well. Et donc, pour l'avion, mais ça va être la nuit, donc en fait, l'avion, je suis pas sûre de dormir. Mais pour ce mois-ci, j'aurais adoré lire donc Girl Online, le tome 3. Et où est-ce qu'il est? Il doit être. Oh crap, évidemment, il devait être là où il faut pas qu'il soit. Alors attendez, hein. Il est là, parce que franchement, si je lis pas à Noël à New York, c'est quand même vraiment stupide. Donc voilà, je pense que je vais commencer ça. The 12 Days of Dash and Lily, qui est la suite de Dash and Lily's Book of Dares. Et ça se passe à deux. Enfin, le premier tome se passe à peu près à The Strand. Enfin, à peu près. Il y a des scènes qui se passent à The Strand. Et donc, qui est la librairie indépendante la plus grande de New York. Voilà. Et du coup, je me dis, ce serait quand même l'occasion de lire ça ici et voilà et puis ça fait tellement longtemps que je lis plus parce que bah voilà tellement de choses liées finalement à ma vie privée quoi mais j'aimerais bien me remettre dedans parce que bah, les livres dans enfin avant ça avait toujours vraiment fait partie de ma vie voilà il y a des choses qui ont fait que mais j'ai pas envie de perdre ça. Et comme vous avez vu, bah, j'en ai acheté plein et en fait j'attends juste que la passion revienne, on va dire, que la flamme se rallume. Mais voilà, par exemple j'avais commencé un livre en septembre dont je vous avais parlé, ou octobre, dont je vous avais parlé dans ma vidéo de comment on appelle ça? De, pas la mise au point là, mais le blabla quoi.
et je l'avais jamais terminé, alors que franchement, c'était un livre qui était vraiment passionnant. Et à chaque fois, je me dis, mais Justine, pourquoi tu te poses pas pour lire? Et à chaque fois, je me dis, bah non, je vais regarder une vidéo, je vais regarder Netflix, je vais faire autre chose. Et c'est ça, quoi. Je prends plus le temps pour lire. Et du coup, bah, j'aimerais réessayer de remettre ça dans ma vie, quoi. Mais donc voilà, je vais essayer de prendre ce livre-là avec moi aujourd'hui, c'est de lire dans le métro. On verra bien si j'y arrive. En plus, c'est quand même David Levithan, alors bon, il y a un moment donné, quoi. Si même lui n'arrive pas à me remettre dans le bain, je ne sais pas qui y arrivera. mais donc voilà, je pense que cette vidéo aura été un peu du blabla inutile, mais j'espère que ce blabla inutile vous aura quand même plu ou diverti, ou je ne sais pas. Demain, j'ai encore cours et stage, donc pareil, jeudi, je suis pas sûre de pouvoir faire un vlog. Vendredi, j'ai que stage, et après, normalement, je vais manger un milkshake un peu très très fourni avec ma copine Lindsay, donc je vous montrerai ça, et puis j'espère que je pourrai vous filmer quelques petits trucs aussi vendredi soir pour compenser. Et après, bah, ce week-end, je vais aller en balade, et puis voilà. J'espère pouvoir quand même vous montrer plus de choses avant de partir, parce que là, ces deux derniers jours, c'était un peu la mouise. En attendant, bah, j'espère que vous passez un bon mois de décembre. Merci vraiment pour tous vos jolis commentaires, j'essaierai d'y répondre ce week-end. Et bah, en attendant, je vous dis à très vite pour le Vlogmas Day 7, parce que là ce sera Day 5 et 6. Et bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye!